Donc les femmes, pardon, hein, je suggérais ça, mais peut-être que ça vaudrait le coup de demander les femmes gagnent moins que les hommes. C'est la même phrase? Non, bah, c'est intéressant de dire que c'est pareil. Juste une deuxième fois pour que. Non, zut, j'ai mis. J'ai inversé la proposition. Je me suis trompé, c'est ça. Mais le premier mot de la phrase, c'est homme. Il n'y a pas moyen de mettre femme au début. Ouais. Je peux mettre femme au début, bien sûr, sans aucun problème. Ce qu'il faut, c'est faire la logique, c'est-à-dire voilà, mettre la hauteur au bon endroit, mettre la plus haut du côté de l'homme. Et autant. Il n'y a pas du tout ce de gagner dans les phrases, on est d'accord. Là, j'ai fait le signe salaire. D'accord. C'est le signe salaire. Je n'ai pas pensé à d'autres phrases, mais. On n'avait pas regardé plus qu'avant. Plus qu'avant? Oui. Genre, les amis, plus qu'avant. Oh, je sais pas si ça avait gagné pour trouver. Mais. C'est pas plus. Ou avec un adjectif ou avec un. Ouais, peut-être avec un adjectif. Ouais. C'est, on a comparé deux individus, mais on n'a pas comparé deux temps de. Le garçon, il va perdre. Ouais. Perdre l'imaginaire. Voilà, on a juste regardé grand, hein, pas gros. C'était gros. C'est toujours ce signe grand. Ah, mais c'est juste grand, je pensais que c'était vraiment grand. Voilà, oui, grand, c'est maintenant signe. Grand. Et... Voilà. Ouais, y a un mon expression de visage a montré que c'est plus qu'avant. Okay. Mmh.
aussi grand que vous. Il n'y aura pas moyen de faire comme ça. C'est pas... Moi, j'aurais voulu forcer l'apparition d'un comparatif où on comparait deux dates en fonction de la taille de l'individu à ces deux dates différentes. Parce que là, je pense que Yann nous a donné quelque chose qui n'est pas vraiment un comparatif. Ça... Le garçon, si on met les deux dans le passé, genre le garçon était plus grand en 98 qu'en 92. Ouais. Je sais pas. Ouais. Pardon. À l'époque, avec le recul de Yann qui exprime le passé en se reculant, à l'époque, c'était 92, garçon, grand, 98. Deux dates dans l'espace. Bon, ça marche. Maintenant, donc on a changé d'emplacement, maintenant 98. Mm-hmm. Grand, à cette fois-ci avec l'expression du visage intensive. D'accord. Et donc ça veut dire qu'en 92, il était déjà grand. Il était grand, ma foi, il était grand de façon normale. De façon, alors qu'en 98, il est vraiment plus grand. D'accord, et si en 92, par exemple, il a un an et qu'en 98, il en a... Du coup, ah. Comment on fera? Alors là, c'est complètement autre chose. Hein. Ça sera complètement rien à voir. Là, si c'est entre 1 et 7 ans, j'ai fait en 92, c'était un bébé. En 98, il est grand, il a grandi. D'accord, et quand c'est un bébé, disons, si là, il a 7 ans et que là, il a 14 ans. Il était grand. Quelqu'un sur le dirait. On va laisser tomber quelqu'un sur le dirait et je vais plutôt m'attacher à la syntaxe parce que c'est ça que. Tant pis pour le côté spontané. J'ai pas d'autre solution. Pardon. Et moi, oui, je serais. Ce serait bien de s'assurer que il y a eu une indexation, je sais plus comment on dit, des dates elles-mêmes. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Je suis pas sûr. Comment ça, une indexation? Est-ce qu'on a placé 1992 d'un côté, 1998 de l'autre, et qu'on a fait. Oui, il y a une sorte de basculement. Oui, 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 il y a un emplacement pour une date que je mets de mon côté gauche, et puis il y a une évolution donc après dans le temps, puisque je suis sur la ligne des temps devant moi. Donc le temps passé est sur ma gauche et le temps plus proche de moi, il devient à droite. Il se met sur ma droite. Et du coup. Alors, on peut. Sur le temps,
je peux trouver quelque chose. Donc là, j'ai mis ma ligne de temps comme ça. J'ai mis ma ligne de temps. Donc 92, je l'ai vraiment mis en arrière de moi, donc il était grand correctement. Le temps a passé et je suis je suis moins en arrière de moi. 98, il est plus grand. D'accord. Mais on est obligé de prendre le temps dans le sens de l'âge. Par exemple, s'il disait le garçon Je peux faire les deux, dans un axe horizontal devant moi ou dans un axe de ma gauche vers ma droite ou un temps de l'arrière vers moi. D'accord, mais je peux pas faire dans. Par exemple, si je veux dire le garçon était moins grand. En fait, je voudrais que 92 apparaisse après. Non. Attendez. Le garçon était moins grand en 92. En 98. Ce sera exactement le même ou est-ce qu'il y a moyen de faire différemment? Pardon. Ah oui. Ouais, mais en fait, c'est là tout le problème. Parce qu'en fait, on commence par 82, puis on continue par 90. Je veux dire, il n'y a pas moyen de commencer comme on commence en français par 98. Non, ça serait très gênant, ça serait très dérangeant, ça bloque complètement. Puisqu'on est sur une ligne de temps qui doit être logique. Alors attention, je peux signer de façon beaucoup plus compliquée, mais très détaillée. Voilà, là j'ai commencé, vous avez vu là? Alors j'ai commencé par 98, en 98 il était grand, mais alors, je pars en arrière, en 92. Il était plus petit. D'accord, mais c'est vraiment pas spontané et c'est très marqué. Non, finalement, c'est possible, c'est possible. Ok, je l'ai noté aussi. Alors, c'est parce que là, je suis obligé de rajouter donc, des détails dans cette deuxième forme. Hein. Je vais recommencer. Ce garçon, lui, en 98, il était grand. À l'inverse. Maintenant 98, grand. Non, il faut mettre la date au début. Voilà. Maintenant 98, garçon, lui, grand. Mais. Et là, je repars en mai et je change de position. En 92. Je change d'emplacement, pardon. Et vous voulez pas pour finir essayer avec gentil, c'est de façon de faire. Juste celle-là de Martinique. Ou vieux d'ailleurs peut-être. Parce que. L'avantage de gentil, c'est que ça se voit pas. Oui. Pour mais on risque d'avoir qu'il était gentil à un moment et qu'il était plus oui, gentil après. Oui, je pense que c'est l'éternel problème. Mais c'est bien. Juste pour vérifier que ce soit ça. Parce que c'est vrai que les gens deviennent plus gentils.
pire. Ouais, c'est vraiment la toute dernière phrase, parce qu'il faut libérer Yann. Un peu comme les précédentes. On parle de taille ou d'âge? Moi, je pense que c'est de. Mais là, on parle d'âge, d'âge. Et là, on parle de taille. Ouais. Je commence à faire l'évolution. Cette phrase me gêne. De la palissade, hein. Oui, c'est ça. Oui. On ne pourrait pas faire exactement pareil que ça, mais en mettant le signe de Dieu, mais le signe de quoi? Oui. Ça va pas coller. Je suis incapable de le faire là, parce que j'ai commencé 80. Il a fait une date, une évolution vers une autre date, mais ça ne colle pas. Alors, maintenant en 98, il est vieux. Autrefois en 92, il était jeune. C'est tout ce que j'ai. On a déjà eu plus vieux que. Pardon. Oui, mais c'était plus vieux entre deux personnes différentes, ouais, ouais. Et du coup c'était âge. Et... Ouais. Voilà. Il n'y a pas moyen de faire âge en 98, âge 92, comme ça. Franchement, ce genre de comparaison marche pas du tout en langue des signes, en fait. C'est pas du tout logique, en fait. Pour nous. Okay. Du coup, vous pourriez juste refaire la phrase qu'il avait fait tout à l'heure. Ah. Oui, pardon, juste, je viens d'avoir une intuition. 92, c'est un âge, et l'âge a évolué pour arriver en 98. Et il évolue dans une courbe ascendante. Date 92, garçon, lui, âge. Il évolue vers le haut pour arriver à la date 98. C'était le dernier là, c'est ça? Merci à vous. Voilà. Voilà.